Ah bah t'es la trou du que je te cherchais partout. Bah rien, j'étais juste en train de... Ah, j'ai trouvé le booster du jour et là j'ai pas le temps de m'en occuper, du coup ça... Ah j'ai pas le temps de te dire pourquoi, puis c'est pas ton problème. Allez, moi je me casse, salut, bon courage. Dans mon costume qui est là-bas, t'as intérêt à bien faire l'ouverture, sinon je te mate ta gueule. Mais qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Mais c'est le trou du cul de Père Noël là, il s'est barré, il a laissé son costume, il m'a dit, ben c'est ça, à la tronche, il a dit, c'est moi qui dois l'ouvrir. Y'a rien de drôle là-dedans. Et bonjour à toutes et à tous. Alors je suis pas habitué aux ouvertures, mais voilà, la rage fantôme apparemment, c'est ça qu'il faut que j'ouvre. Du coup, ben on va ouvrir. J'y connais rien en Yu-Gi-Oh, hein. Ça se voit, c'est pas ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Ouais, c'est booster. Alors bouffé dans la tronche. Alors qu'est-ce qu'on a de beau comme carte là-dedans? Alors un petit monde virtuel, DJ. Commencer. Ensuite, on a une confrontation tri-brigade, un éveil des possédés Razen Ryu, Prufinesse, le trappeur tactique. Oh, une super rare avec guitare et Xeno de bande de rock, elle est très 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 jolie. Retour du double avatar, banquet des millions, très bonne carte que je recherchais, donc ça c'est très très bien. Et à l'affrontement, Mewton pour terminer la convention du double avatar, pour ceux qui aiment bien le. L'archétype à double avatar, je sais pas pourquoi j'ai dit le. Donc voilà, c'est la première et dernière fois que j'apparaîtrai, je pense, pour une ouverture de booster avec le Père Noël. Abonnez-vous et lâchez le pouce, tout ça. Des bisous, et je crois qu'il dit tendresse et menthe au chocolat. Menthe au chocolat.